tout, bonsoir. Jodi, dans la place HSI, c'est papier 22, ok, et novembre 2020, correct, 2020, novembre 2020, papier 22, un pre-release, correct. Alors, get un coup, mes enfants qui présentent aujourd'hui, je vais discuter de ça. Et j'espère que moi aussi, get un coup. Bon, c'est-à-dire, novembre 2020, papier 22, Fundamental Problem Solving and Skill, No Additional Material is Needed, correct, n'a pas besoin d'additional material, et papier 22, un préparatoire pour novembre, correct, manzele qui ne fait que rentrer, ben n'a pas trouvé. Correct, allez, rentrez, mes enfants, nous guettez papier 22, nous vous causez un pilot là, et capable de faire un nouveau chapitre sur eux. Allez, correct, papier 22, manzele qui est rentré, un préparatoire, ça. J'espère que mes enfants rentrent, allez, la plupart des élèves rentrent, hein. Sinon, encore, qu'un bien de faire ma connaître. Et dans papier 22, no additional material is needed. This material should be given to relevant teachers, candidates, pour une préparation. Et dans papier là, tu as un droit à Visual Basic Console Mode. Correct. Tu as un droit à Visual Basic Console Mode. Tu as un droit à Python, Pascal, Delphi, etc. Et tu as un droit à Structured English, Pseudocode et Program Code. Correct. Et Declaration of Variables. Dans Pseudocode, nous avons Declare Variables, c'est ce nom, avec colonne des data. Et sorry, ouais, dis bon la Variable. Et Structured English, voilà. Premier temps, nous allons un coup. Correct, je suis apparu et dans WhatsApp, je vais chercher, soit dans WhatsApp là, je vais chercher le programme avec moi. Correct, nous allons un coup. Premier temps. Je suis d'accord dans le papier HSI là. Correct, papier 22 pour novembre 2020. Vous allez connaître exactement ce qu'il veut faire. Novembre 2020, papier pre-release, voilà, papier 22. Correct, allez, log. Maintenant, algorithm array pseudocode. The following one-dimensional array can store different pieces of data about stock items in a shop. Correct? Then an array. Correct? Could never got data. So one-dimensional arrays to store different pieces of data. With an array for God item code, an array for God item description, an array for God price, and an array for God stock number stock. Maintenant, design an algorithm to search a specific value in the item description, and if found, output the index array index where the value is found, and output suitable message. Okay, output suitable message if the value is found. Okay, bon, on a fait une cause là-dedans, un mot qui est important, item description. Correct. Deuxième mot qui est important, search. Correct. Nous avons search, item description. Et si nous trouvons lui, nous pouvons output sur array index. Where the value has found. C'est-à-dire index là, nous avons output. Et output suitable message if the value is not found. Allez, battez. Nous avons écouté. Si nous avons dit, quand on fait dit, l'autre banzélé voulait travailler au moins, ben là, dans WhatsApp, je t'ai envoyé moi un message. Soit là-dedans. Correct. Et ben là, share the code. Allez, nous commençons, mes enfants. Il n'y a pas un travail pour un seul du monde pour aussi un travail. Et mes enfants, bien travail, nous pouvons discuter ça sous le code. Allez, moi, je vais commencer. Et je suis de commencer dans notre bébé. Et je vais dans notre code. Bon, ce qui pas comprend rien, il dit qu'à suivre. Il reste capable en même temps programme avec moi et get un code. Bon, là, moi, je fais un programme pré-release pour une école Jack Dambi. Je vais recovery. Ok, mon corps, mon récit recover. Voilà. Et moi, c'est Evely plutôt. Si mon ordinateur, tu finis shutdown la dernière fois. Ok, ça m'a fait c'est Evely. Correct pour Jack Dambi. Des pre-release. Pre-release. Ok. Bon, tous les élèves gagnent ça papier là, ce qui m'a fait discuter. Là, ça m'a close. Correct, m'a ouvert un autre project là. New project. Ça papier qui m'a fait discuter là, tous les élèves viennent aller dans WhatsApp group. Maintenant, ils finissent à envoyer ça. Allez là. Correct. Si je peux analyser le cas, j'avais mon chien. Je n'ai pas gagné. Allez, si je pas gagné, je vais faire un chien comme ça, là, non? Et comment le chien là? Un mot. Chacun coup d'aide moi une seconde, mon avis oublié, chien. Comment le chien ça? Le chat, non? Le chat là, mon corps. Il est là, là, mon corps, on clique là. Et là, finalement. Comment le chien fait? Allez, tiens-moi un coup de bonnes enfants. Recall, reaction. Comment est-ce qu'il y a un file là? Dans le chat, après qu'il y a un file là, on a envoyé là. Il y a un file là.
Sonné. Là, mon vent, c'est bon. Non? Allez, diamant good. Je peux pas mettre un emoji là en dessous. Hein? À côté, tu as un dessin là. Ouais. À côté, il y a trois dessins. Tu as un carré. Là? La chat. La chat. La chat là. Voilà, ouais, la chat là, là. Chat to everyone. Ah, ça c'est carré là, ouais, mon gars, mon gars. Ouais. My computer. Ok, écoute, mon chien, ça le download, ça, mon gars. Allez, rapidement, là, ben, c'est l'équipe en gagne, il prend ça, nous commence le travail, là. Et en fait, maintenant, tu finis à envoyer dans le groupe, là, on va voir qu'on est qui fait ce en gagne. Écoute, download, là. Computer. Il en est bon ça. Personne va cacher à dire là, on dirait qu'il est là. Il va cacher à dire à cause de moi. User, mon candidat, user. Là, user, et là, public, mon candidat. On dirait qu'il est là. Allez, on va essayer de gérer le cargo, il est là. Ok, mon gars, continue moi. Allez, portal ça, et mon fini ouvrir la là. Correct? Allez, maintenant, on va commencer là. Ça n'est pas vous, je vous gagne. Et là, nous avons un code. Voilà. Designer algorithm to search. Voilà. Maintenant, mon dame OVB, mon PC fait ça là. Console. Voilà. Correct. Moi, je commence mon programming. Et nous allons vite, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées. Mon gars, il y a un bouchon. Je vais pas participer là. Hein. Voilà, mon zoom. Ok, dim. Dim qui est item code. Item code. Allez, item code, c'est ce qui est string. Mais c'est moi, rappelle bien, item code, il y a un array. Ouais, nous avons ce size. Combien il y a? Il n'y a pas dire combien item? Allez, t'as rien de vite, il nous dit 10 pour le moment. Item code. Il y a combien item là-dedans? Non. Non, il n'y a pas dire combien. Right, continue. Dim. Item description. Item description, il y en a array 10, virgule 11, string. Allez, les restes, allez continuer un petit peu ensemble. Moi, on peut faire ça sous le code là. Dim price, price, il y en a array. Là pour le moment, on met 10 système. Ah, ce qui est ça, real, real, la VB de double. Avec le dim et number stock. Ok. Number in stock. Number in stock. Number in stock. Correct. Et là, de bracket 10,1 integer. Correct. Voilà. Correct. Ça, c'est une fin déclare. Nous avons un volume. Nous avons un array. Voilà, 4 arrays nous déclarés. Maintenant, qu'il y a fait un search. For a specific value in the item description if found. Bon, nous devons faire un search. Correct. Là-dedans, pour faire un search, nous devons dire console.write enter item to be searched. Item description enter item and enter item description to be searched. Search. Allez, déjà enter item description, ce qui vous a redé. Ok, enter item description to be search. Maintenant, là, tu as créé un variable search, search item, S-E-A-R-C-H, search item. Ok, search item, il y a un variable string.
Correct. Voilà. Maintenant, ici, vous savez comme item search. Je partais vite, vite, les temps perdent vite et console.readline. Voilà. Maintenant, tu finis enter item search, tu fais un loop. Bon, il y a plusieurs cas de loop que tu as fait. Tu as fait un for loop, tu as fait un while loop, tu as fait un repeat loop. Correct. Allez, nous faisons un for loop plus facile là pour le moment. For i est égal à n à 10. Ok. Et tu vas regarder si item search, c'est-à-dire search. Search item, il égale quoi? Il égale ça array là. Array là c'est item description. Item description. Ok. Et i dans bracket là, c'est égal then. Il est déjà found. Tu veux créer un autre variable appelé found. Dim found. Found as boolean. Correct. Bon, if in trouvely found égal boolean. Égal true. True. Initially, avant il rentre dans array là, tu vas dire found égale false. Voilà, commencement de voir que tu trouves lui et si tu trouves lui, found is true. Correct? Allez, check and cut. Si tu trouves lui, il est true. Mais l'India, si tu trouves lui, d'après question là, bon, on sait tous enfin qu'il y a une question là. If found, output the array index. Bon, si il est found, il faut input, il faut output, c'est-à-dire console. Dot right line qui lui pour output array index. Array index c'est quoi? Tu mets found in the array at index égal, tu mets value index qui lui trouve. Et là tu mets un end sign, là tu mets un i. C'est-à-dire si lui trouve lui, il peut dire il trouve lui telle place, telle index. Et il a trouvé lui plusieurs places. Ça a été description là, il y a plusieurs places de array là. Correct. Maintenant, il finit vers le loop là. Il peut sortir. If found is equal to false, jamais pas une true, une reste false. Hein. Dans ce cas là, tu peux output, not in this. Voilà. Donc, ouais, Janine finit écrire un truc, Janine, ah oui, moi. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, moi-même, oui. Oui, diamant. Oui, je me connais, Oui. Oui. Diamant. Oui. Nous essayons de trouver une solution. Nous faisons une solution pour lui. Pour vous expliquer. Ok, Nick, démissionne-moi, je vais trouver une solution pour ça. Ok, allez, dans la zone. Et non, Nick, seulement dans la zone, on me dit où vous faites. Ok, allez, merci, allez, bye. Bon, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a envoyé moi un module. Ouais, là, vous pouvez aller là, comme ça. Vous êtes capable d'éditer. Oh. Bon, il y a des élèves qui ont écrit là, pour ne pas dire son carrément. Voilà, il a été fini vraiment code là très bien. Il finit d'écrire. Et il y a un chat là. Johnny, can you do a record of arrays? Tu es capable de faire, mais la question n'est pas demandée. Ok, la question n'est pas demandée à cause de ça, on n'a pas à faire. Bon, le fait de ce code là, il peut paraître bien intéressant. Il déclare tout souvent flags. Il fait l'hyper un loop. Ok, mais c'est moi qui ai fait dans le point d'analyse, bien sûr. Nous allons aller sur code. Bon, ça c'est les vignes vraiment très bien. On pourrait discuter là demain une minute. Bon, les nuggets questions là, c'était hein. Je vais faire une question simple, mais c'est les vignes vraiment pour vous discuter. Get là dans l'India. Design an algorithm to search a specific value in the item description. If found, output the array index where the value is found. Voilà ce qu'ils m'ont fait moi. Les mon trouve lui, je vais dire que je trouve lui. Il est capable de trouver lui. Fait que moi, j'ai des de soap. Il y a plusieurs cas de soap. Tu as trouvé lui, Henri description soap. Il y a plusieurs cas de marque. Et tu as trouvé lui, plusieurs places dans Henri là. Et si jamais found the false, là. Found, qu'est-ce que je dis? The false, item not found. And item not found. Ok, il n'y a pas de trouver cet item là. Voilà, on arrive là, on rend lit, on rend lit pour se guetter.
et là voilà mon faire mon console dot readline. Allez, sa première partie ça. Maintenant les morandi on va pour rendre pour 10 parce que mon fatigué mon rendez 10 pour 3. Correct. Et mais c'est moi avant tout arrêt là tu as rempli mais tu as rempli des data tout ça en arrêt là pour nous capable mais tu as rempli item code item description price and stock. Faut dire que tu finis rempli et là nous tu faire un search là. Malheureusement, on n'est pas encore rempli. Il nous faut un search, ce n'est pas pour moi aussi. Allez, question pour moi. Allez, mon disque dit sa première partie là. Designer algorithm to search. Bon, là, où l'India est là? One, the following four arrays. Get l'India là, Johnny. Four one-dimensional arrays. Il est sali. One-dimensional arrays, ça, one-dimensional arrays, ça, one-dimensional arrays, one-dimensional arrays. Combien one-dimensional arrays? Il y en a four. One dimensional array to keep different pieces of data in the shop. Capable faire ce que tu peux déjà faire, mais c'est moi d'être question là d'India faire ça. Ce que l'India fait, je vais faire. Et je vais search specific value de item description. Et si found, je donne message array index. If not found, je ne pas found. Et je vais faire ça là sous le code. Ok? Maintenant, nous avons un autre garçon. Attends, tiens, je vais ma code encore. Johnny, je vais ma code. Johnny, ce code, je vais là. Johnny n'avait pas sa code là, là il est bon, il déclare tout sur mon array, bien bon. Et là il peut enter item code, 1 à 30, il est bon. Si il found, item ce qu'il peut roder, il trouve la description, très très bien, item là found at tel location. Else, ah là, un erreur, je pense, Johnny. Chaque fois qu'il ne t'a pas trouvé, tu ne peux pas dire not found, not found. Ça, je pense, tu as tiré. Correct? Ça a tiré depuis là. Else, là, pas nécessairement. Ce n'est pas dans chaque location, il dit item là, pas found, pas found. Réaliser, réfléchir là et m'envoyer dans mon code, je vais te ce que je pense là. Run lui, mais c'est moi avant tout, ce code là, tu fais un input là pour commencer. Ok, ça m'a bien envoyé ça. On va connaître code pusher, ça m'a pensé là dans le chat là. Ok, on va envoyer ça là. On va connaître si y a aller là-bas. Quand il y a un lit, il ramasse ça code là. Ok, mon cas discute déjà. Question pour moi. Je vais causer là. Hein? Question pour moi. Question pour moi avant de continuer, il va avoir le même show. Nous, allez, si nous, nous continuons. Alors, si il y a une propose question, il va poser ma question là. Hein. On prend l'autre partie du programme là. Mon Johnny, il fait mais c'est moi la limite else là là-dedans. Ça coûte bien notre femme, notre femme. Tu peux sortir en déo, là si tu n'as pas femme, là pas en trouver dans l'arrêt là. Et il n'y a pas plusieurs soap, il y a plusieurs places dans l'arrêt là, plusieurs qualités soap. Il y a item description là, il y a plusieurs places différentes. Un index arrive pour parler. Correct là? Allez, maintenant nous continuons. Ça va nous avoir fini. Consider the difference between algorithms that search a single or a multiple instance of a value. Bon, qu'est-ce que tu peux dire là? Consider the difference between an algorithm that search a single value or a multiple instance of the value. Qu'est-ce que tu peux dire toi? Tu peux dire comme ça, ça va. Là, tu peux rouler item description. La question qui est de rouler là, il est capable d'occuper plusieurs fois. Il est capable pas d'occuper une fois, mais plusieurs fois. Bon, si il occupe plusieurs fois, à cause de ça, les lames à rouler depuis le commencement à la fin. Je veux dire pour tout item, 10 items, tout le monde doit rouler. Parce qu'il est capable d'occuper plusieurs fois. Et chaque fois qu'il occupe, il arrête là. Par contre, si tu avais un while loop, c'est pas un repeat loop, les lames que tu peux servir quand une seule fois il trouve, il arrête. Dans ce cas-là, tu dois rouler tout jusqu'à commencement à la fin. Maintenant, nous avons un autre élève qui écrit un programme là. Ok. Item description 5, item code, price, stock, flag, tu vas le mettre bien bon. Search item, il met bien bon. Mais là, il peut dire do loop until index plus grand que 5, n plus grand que 5. Bon, qui fait une série index avec n avec flag, flag, true, je connais. Bon, flag là, il met true. Il ne va pas avoir le route tout en instance. Comment il finit vrai, il finit trouver une seule fois. Il peut arrêter. Ok? Vous pensez, ça même qui est important là-dedans. Qui s'en fait faire ça et qui a ce nom? Il t'a envoyé moi, t'es là. Il t'a causé à moi? Oui, un chef. Oui. Programme là, bon, il s'en a un qui nous a. Jadia. Bon, là-dedans, vous trouvez programme là, bon, lit. Mais c'est moi qui est là. Let's mettre flag true. Let's trouve lui, vous pensez. Il n'est pas pour continuer à rôder, d'après moi. Qui te pense, toi? Il y a des flags true. Comment tu as des flags true? Il peut se outil d'après moi. Du loop until. Il peut arrêter. Mais il peut arrêter. Il y a un algorithme qui l'indique à toi. L'indique à toi comme ça. Si tu peux rouler multiple instances.
Là, là, tu as besoin de tirer flag là pour continuer à rouler. Mais si tu peux rouler single instance, un seul, là, là, tu mets flag là. Bon, moi, je vais déjà dire ce programme pas bon. C'est un bon, moi. Mais rappelle bien, si tu as déjà mis flag là, true, c'est-à-dire quand il trouve lui, un seul fois, il peut arrêter. Mais si il met, il tire sa flag là, il peut rouler jusqu'à commencement à la, la fin. Bon, il a fait, on va pas comprendre là, déjà. Déjà qui fait un met D, ça, un limit index. D'après moi, index, qui fait limit index, index pour loop là, continuer, mais n plus grand que 5, qui fait limité. Qui fait limit D counter là. Jadia, tu veux répondre moi. N counter c'est index. Index L. Qui fait limit D counter. Tu es capable de dire nous, non? Ok, mais pas mal, good try. Et en bas de mettre si flag li false, li pan min true jamais, value not found. Else value is found at the location. Et elle là, te peut ramasser dans un array là, non? Elle là que tu peux ramasser, c'est ça, elle là. Index. On te peut ramasser. Mais seulement li pour une seule instance. Si les plusieurs instances, là, il va pour morcer. Correct? Allez, right. Maintenant, de continuer là-dedans dans l'algorithme, là, ce qu'il peut dire, toi. Si, comment dire, une seule fois, tu trouves lui. Ok? Si tu as envie de trouver une seule fois, tu mets un flag. Trouver lui une seule fois, arrêté. Mais si tu as envie de trouver plusieurs fois, tu as besoin de tirer un flag là. Comment dire, il y a une fille, tu trouves. Il mettait un flag. Mais il besoin connaître quand il peut tirer un flag là, là-haut, et quand il peut mettre flag là. Mais bien, si il met flag là, il peut arrêter. Une fois, il trouve lui, il arrête. Si il tire un flag là, il continue à rôder, rôder. Même il trouve lui, il continue à rôder. Bon, qui fait là, il trouve lui, il continue à rôder. Fait qu'on a des bureaux de soap. Mais il y a plusieurs cas de soap de toute la liste. Tel soap, différents soap. Mais il peut avoir plusieurs cas de soap plus bout d'un temps. Est-ce qu'il m'en a expliqué? C'est la question, dis-moi si c'est la question, on continue. Ok? Je ne comprends pas single instance avec multiple instance. Ça, quoi, pour faire? C'est quand tu as envie de mettre un flag, tu peux faire single instance. Quand tu tires flag là, tu peux faire multiple instance, tu peux continuer avec. Bon, extend the algorithm for toss one to output corresponding values from the arrays. Output the corresponding values from the arrays. Bon, là-dedans, il peut dire toi comme ça. Ouais, corresponding values from the other arrays. Ce qu'il veut dire, là, tu trouves lui, tu es bien capable de donner encore un détail dans l'array là. Qui va un détail encore, tu es bien capable de donner, qui est pour nous autres là. Il veut dire, il ne va pas seulement dire qu'il trouve lui à telle position, mais là, tu es capable de lui. Ben détail de sa propre produit là. Qui ben détail des produits là, il est capable de nier. Par exemple, il est capable de nier sur item code. Item code. Ok, égal. Voilà, item code égal. Tu fermes ça. Tu. Qu'est-ce qu'on mettait là? Ouais, il met un sign. Et il met ça. Voilà. Get bien. Item code pour ça. Il rôde ça. Il rôde lui pas sur item description. Et là, il met display sur item code. Correct? Allez, c'est qui dit qu'il y a display encore? J'aime encore, bon enfant. Il y a display quoi? Allez, je vous ai causé. Il y a display encore, bon élément de array là. Surprise. Qui dit pour display? Surprise. Voilà. Et nous allons dire. Très bien, surprise. Allez, nous continuons à faire un. Hop, j'ai enlevé là. Surprise. Et là, il y a display surprise. Tu as besoin de chérir de array price. Correct? Voilà. Maintenant, il y a un display sur stock, number stock. Voilà. Il y a un display sur number stock. Voilà. Maintenant, écoute comment faire ça. Voilà. Et là, il y a un display number stock. Et là, il peut mettre sur I. Là. Et chaque fois qu'il vous trouve, il vous donne un item là sur number stock, etc. Voilà. Tu as un droit de lire sur description, tu as un item code, tu as un surprise, tu as un number stock. Encore, il est pas mal. Voilà, un azélé vient écrire. Très bien, un azélé peut répondre parce que moi, le respect de vous. Allez, pas grave. Nous continuons. Ça, moi, je finis faire. Il dit, extend the algorithm to output the corresponding values of from the other arrays. Moi, je finis. Write program code to report, to produce a report displaying all the information stored about each item for which the number in stock is below the given level. Bon, les états écrivent un code pour produire un rapport. Le rapport là, qu'il peut display. Il peut display all the information stored about each item for which the number of stock
is below a given level. Ah, bien bon. Maintenant, nous pouvons faire rapport là. Pour le faire rapport là, nous pouvons aller en bas, là. Qui va vous dire input? Réglez la question là bien. Qui va vous dire input? Give below a given level. Ça given level là, comment on appelle ça? Reorder level. Reorder level veut dire combien un produit bizarre vini minimum pour passer une commande. Veut dire que vous avez déclaré une affaire appelée reorder level. Reorder level veut dire minimum level. On appelle ça reorder level. Reorder level veut dire minimum level un produit qui bien vini avant ou passer une commande. Et ça reorder level là, nous appelons ça integer. Regla integer, reorder level. Et là, qui nous vous dit, nous vous dit enter the reorder level. Correct? Qui reorder level te peut poser? Combien te peut envie de reorder level? Enter reorder level. Enter reorder level. Reorder level. Enter reorder level. To produce the reorder list. To produce. Produce. To produce what? The reorder list. To produce the reorder order list. Pour produire reorder list. Veut dire que tu peux donner un reorder level. Basé sur ce reorder level là, il va produire un reorder list. Voilà. Ici qui nous a input, reorder level. Right. Maintenant, nous get sign good rapidement. Voilà, nous là. J'espère que tous les enfants me comprennent. Astien nous a search. Pareil, nous vous search. Correct, voilà le search. Mais qui ne voit le search? Ce quantité de stock, item de stock, voilà. Item de stock, voilà. Check and good. Nous, item de stock, il faisait moins qui reorder level. Ou bien moins ou égal reorder level. Là, c'est un produit qui l'India, moins qui. And produce a report of information stored about each item for which the stock level is below. Non, il y a below. Pas égal. Number stock is below. Attends, number stock below. Attends, this is my number of stock. Un minute, je mets dans le façon. Ctrl X. Number of stock, si il est below, il y a less than reorder level. Si, voilà. Si number stock is below reorder level, et là, qui te va faire, tu peux display sa manité. Qui te vous display? Te vous display sur item code. Mon quoi ça nous tirer? Bon, si l'air fini là, pour le moment, nous avons rentré 9 minutes. Ok, je prépare un autre zoom pour vous autres, m'espérer. Ok, si les sorties nous avons rentré là. Nous avons un good meeting. Voilà, les 8h15. Par contre, là, si je fais un erreur, c'est quoi, moi, je vais delete ça? Ouais, je pense que je vais delete ça. Voilà, 8h15 à 100, là, il est bon, là, vous pensez. Ok? 7h30 à 8h15, 8h15 à 9h. Correct? Allez, m'espérez, tout marche bien. Ça, for 1001, you can re-explain multiple instances. I didn't understand. Ok, moi, vous savez, faire là, hein? Multiple instances. Qui veut dire ça? Right. Et nous c'est réexpliquer, nous guettons un coup, c'est pas difficile. Pour faire multiple instances, les nous faire un for loop, il est facilement faire. Parce que qui fait? Dans un for loop, on va rouler depuis le commencement à la fin. Depuis tout le ben arrêt là, on va rouler. Veut dire, si arrivé le match, plusieurs fois il pour match. Et chaque fois qu'il est pour match, il vous donne chaque item sur code. Par exemple, qui ne peut search item là, ce description. Ce description, c'est disons soap. Mais plusieurs qualités soap que vous trouvez, et il vous déparait. Oui, allô, allô. Ouais, tiens, non, tiens, ah. Ah, Calvin prend lui, ouais. Allez, allez, allez. Qui côté une qui est là en dedans, hein? En dit où? En dedans. Oh. Allez, en dedans, il va plus, dit. Ouais, ok. Allez, mon gars, dit. Ouais, Calvin, merci. Allez, ben. Allez. Veut dire un array for loop il va jusqu'à la fin du commencement à la fin. Veut dire chaque fois qu'il est pour match description là, un soap, tu veux rouler un soap, il vous donne toi ce prix et ce bande détail. Et là tu peux jamais mettre ça, non pas tu peux jamais mettre prix là, tu peux jamais mettre number stock. Number in stock ça. Number in stock. Veut dire là il y a déjà multiple instances.
Mais qui ne peut expliquer toi? Que ça, ça, déjà, ça tu fais là. L'écran repeat loop and while loop. Bon, ça c'est un do, la condition until. Veut dire un while loop. Do while this is true. Du courant de loop là. Mais dans while loop, les enfants, s'il met un flag, qui fait limiter un flag? Il met un flag pour ne pas pouvoir le jusqu'à commencement à la fin. S'il trouve le match, flag là, il trouve. Et si il n'est pas encore trouvé, il peut continuer à rôder. Mais s'il trouve, il peut arrêter. C'est-à-dire, flag là pour rôder a single instance. C'est-à-dire, une fois qu'il trouve, un seul coup, il peut finir à arrêter le loop. Là, pas nécessaire rôder en entier. Ça, l'important, c'est bien while loop avec repeat loop. Les nommés d'un flag, il a arrêté une fois le trouvé. Mais si nous tient envie, ça continue à rôder. Nous tient sa flag là depuis là. C'est-à-dire pas arrêter quand nous trouvé. Mais par contre, moi, je règle le problème là pour multiple, moi, je viens de for loop. For loop veut dire qu'il peut rôder multiple instances. Il peut rôder pour aller s'il y en a plusieurs fois. Veut dire for loop, il y a ce désavantage, mais ici, il y a l'avantage pour faire multiple instances. Moi, j'espère, moi, c'est répondre. Si t'en fallait pas comprendre les diamants, je suis capable de refaire ces faux. Correct, les bizarres répondent moi. Ok. Ok, nous essayons. Maintenant, là, nous arrivons dans le vide. Nous pouvons produire un rapport. Quand nous pouvons de nous tout un produit qui dit moins qui un certain level. Un certain level là, c'est un given level là, on appelle ça reorder level. Là, nous avons là-haut, nous créons un reorder level. Et mon vin là, mon dia produire et la liste des bons produits qui faisait pas ce commande. Et mon dia reorder level là, diamant combien il dit. Bon, mon reorder level n'est pas fixe. Dans beaucoup d'entreprises, reorder level est fixe, pas 10. Mais là, dans ce reorder level, il n'est pas fixe, il est changé. Mais dia, mon pour roder depuis le commencement à la fin, tout bon produit. Si ce quantité de stock est moins qui ça. Eh, mon fait une erreur là. Il y a mon coding, j'ai trouvé là. Si vous aimez reorder level là. Voilà, si ma quantité de stock pour ce produit là est moins qui m'a reorder level, là qui peut arriver, produit là ce détail pour paraître. Qui détail pour paraître? Sur item code, sur price avec ce number in stock. Voilà, number in stock. Number in stock. Et qui ça fait en code si vous apparaît? Ce description si je te dis. Moi je vais mettre item description si je te dis. Ça va en détail là, tu vous parles tout le produit sur item description. Voilà, j'espère que je vais expliquer. Description, tu vous parles. Et là, on va sans ça. On va mettre item description. Voilà, item description, mon bon. Comment il appelle ça? Item description. Ouais, il appelle ça item description. Voilà, on va mettre là. Voilà, j'espère que je vais comprendre là. Je vais dire, je vais produire un reorder list. Je vais donner la liste pour passer commande. Je vais donner ce reorder level. Il y a tout un produit qui est moins ce qui est reorder level là. Il paraît dans la liste un par un. Et en bas, je vais écrire end of list. Correct? Allez, question. Vous avez posé ma question, mes enfants? Si n'est pas moi qui continue. Allez, dis-moi si je ne comprends, je continue. Si pas, je ne comprends déjà. Après, un message, soit causé. Vous me connaissez, donc on va me suivre. Oui, je comprends. Allez, c'est comprends. Ouais, c'est une comprends, continue. Correct. Nous devons travailler ça pour réaliser ça, un préparatoire, ça pour les qui ne rentrer. Si pas besoin de comprendre qui travaille, ne peut faire. C'est novembre 2020 et pré-release ne veut pas dire. Oui, Adjay, je me suis entendu, c'est un membre de la classe. Ouais. Non, pas de problème. Quand c'est un agent, non. Allez, attends, tiens, attends. Merci, merci. Un demi-attend, voilà. Allez, merci. Allez, maintenant, nous continuons. Nous arrivons là, nous allons travailler. Là, ça, nous finissons la première tasse là. Array, nous finissons faire ça. Nous finissons faire ça. Nous finissons faire corresponding values. Nous finissons faire ça aussi. Maintenant, tasse 2. Voilà, tasse 2, nous guédons. The stock data described in task 1 are now to be stored in a text file. Ah, nous allons mettre ça data là dans un text file. Maintenant, comment mettre ça dans un text file? Ça vient important. Vous pouvez si nos élèves connaissent comment mettre ça dans le file. Each line of the file is a corresponding stock item. Correct?
Allez, maintenant pour nous mettre ça dans une file, ben, les enfants, bien bien important, suivre. Qu'est-ce qu'il y a stock file? Attends, nous regardons question. The stock data describing TOS 1. Stock data describing TOS 1. Il faut mettre ça stored dans le text file. Bon, stock data là, c'est quoi? Stock data là, c'est tout simplement data là, non? Ça, 3 arrêts là, 4 arrêts là. Souvent data, nous devons mettre ça dans le file. Maintenant, comment nous mettons ça dans le file? Nous devons écouter. Nous visons, allez, mettons là, nous allons faire un search d'arrêt là. Si nous faisons un search d'arrêt là, guide bien, nous faisons un search d'arrêt là. Nous faisons for i égale n à combien? Zone à 10 items. Voilà. Et là, qui m'a fait faire, on va mettre aucune condition. Et ça bien. Tiens-moi, écoute si m'a fait bien. Là. Si nous faisons 1 à 10, il vous demande sur item code, il vous demande sur description, il vous demande sur price, il vous demande sur stock number. Qui m'a raté? M'a raté sur item code, description, price, stock number. Si m'a fait ça, est-ce qu'il vous demande tout un item là? Oui. Ok? Il est bon, ça va bon. Il est bon. Maintenant, si m'a envie de joindre tout dans une cellule la ligne, qui m'a fait? M'a envie de joindre tout. Je crée une variable, m'appelle ça un. M'appelle ça dim. Stock. M'appelle ça stock data. S-T-O-C-K. Stock. Stock data. Et m'appelle line. Si j'étais les line. As string. Qui veut dire ça? Stock data. Si m'a envie de mettre comme ça, stock data et la ligne. Qui veut dire tout ce qui est dans le stock là, ce détail. Et la ligne par la ligne et une string. C'est ça qui m'a fait ça. Je ajoute tout ce qui est là-dedans. Et déjà, il y a une string, je vous mets là. Nous prenons sur item code. Voilà. Copy. Je mets là. Je concatine. Qui veut dire concatine? Je joins là. Avec sur item description. Voilà. Je joins là. Avec sur price. Je vais concatiner tout mes fins sur la ligne. Et je joins là. Avec sur number stock. C'est qu'un coup là, mon rat qui se là, mais pareil, oui, mon rat est fait. Hein. Price et number de stock. Mon concatiner tout dans celle la ligne. Est-ce qu'ils en font là comprend? Mon faire tout dans un celle la ligne. Les enfants, si en bas, moi, si j'ai dit comme ça, console.writeLine. Moi, j'ai console.writeLine. Output sa variable. D'après eux, qui dit pour faire? Dit pour output. Et mes enfants me seraient rentrés, mon pensée. Allez, share screen, admit all, share. Allez, tous mes enfants rentrés là, join. Maintenant, je suis supposé expliquer un chapitre appelé files, mais pas grave, je vous essayer de nous être connus. J'espérais tout le monde enfants de l'Olin rentrer, le Ben Lapet a aidé pour rentrer. Voilà. Le gars est rentré. Ok. J'espérais que les enfants sont rentrés là. Hein. Allez, la plupart tout le monde enfants sont rentrés là. Ok, la plupart des enfants sont rentrés. Et je vais continuer à expliquer là. Hein. J'espérais que les enfants sont rentrés. Allez. Ce qui est important, c'est les enfants, vous pouvez expliquer eux comment. Faire files parce que sa question là il y a une files là hein. J'espère que les enfants vont suivre. Il y a un coup d'enfant pour rentrer là, il finit de rentrer. Allez, la VB, on a la VB, c'est une frise là qui n'a rien. Allez, vidéo time, on la voit avec un D, oui. La VB, code VB là, pas nourrir. Zoom là, avec travail là. Ouais, zoom ouais, là, ouais, travail. Allez, la VB, on a des enfants connaît. Qui m'ont risque tout ce bande d'état là, m'ont mis dans une cellule la ligne. Qui m'ont fait? M'ont risque tout ce bande d'état là, m'ont mis ça dans une cellule la ligne. Et là, m'ont pu outputer dans l'écran. Mais si m'ont pas outputer dans l'écran, m'ont mis dans une file. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ben, Upper connaît ça. Ben, ça, Upper connaît. Maintenant, m'ont pu montrer les autres, Upper 6, ben, là, connaît comment faire file. Maintenant, m'ont pu expliquer un bout de file, m'ont dit si m'ont aidé à suivre moi. Le work capable de gagner une petite difficulté, mais malheureusement, vous avez besoin d'expliquer file là. Je finis arrive dans sa partie, quand je vais prendre la ligne là, je fais une line et je vais stocker dans le file. Correct? Ok. Et après, nous vous causez là. Hein? Allez. Nous avons des files comment écrire.
Voilà, ben c'est les bruits de moi là. Ben, les enfants peuvent rentrer. Ayush peut rentrer. Ayush, tu as écrit ça là. Hein? C'est Ayush in fait file avec moi. Allez, maintenant, nous vous mettons tout dans le file là. Moi, j'espère que ben, les enfants peuvent rentrer. Ok, sinon, encore vous rentrez, maintenant rentrer. Sinon, une fille sauvée, une fille sauvée. Hein, une rentrée là. Maintenant, file, ben, un pote. Tu as donné moi ça. Hein? Maintenant, je parle de moi, je vais écrire les pour eux. Correct. Allez, nous continuons à écrire. File, c'est pour montrer de côté notre slide. D'après pas tout ça. Voilà. D'après pas tout, vous pouvez expliquer une affaire qui s'appelle false. Voilà, serial false. Correct, mes élèves. C'est bien dans sa code là, les diamants. Serial false, nous pouvons mettre des data dans serial false. Et bien, la commande qui nous servit à serial false pour mettre des data dans false, input data, c'est ça. Voilà. Et nous pouvons servir, serial file dans trois modes. Il y a input, append et output. Nous vous servir append. Il est bien là. Qui fait nous vous servir append? Mes élèves un peu connaît. Et ouais, moi je vais servir append. Voilà. Moi je vais déclarer ça. Paf là. Voilà. Nous vous servir append. Moi je vais expliquer ça code là pour mes élèves qui première fois veut faire file. Là nous faire append, veut dire vous continuer à ajouter des data dans file là. Ben main code. Ben c'est si connaît ça. Hein? Ben un peu connaît là. Moi vous continuer à mettre des data dans file là et il n'est pas pour delete. Il n'est pas pour delete ben previous file. Bon, la ligne qui est importante pour pouvoir créer une variable qui appelle. Non, la ligne là, je ne connais pas écrit. La ligne là, je déjà fini. Pour pouvoir créer une variable qui appelle PAF. Correct? PAF. Écoute, moi, je vais mettre ça dans VB. Je vais mettre une affaire qui appelle PAF. Voilà. Dim. PAF à string. Voilà, et POF m'a donné une valeur. POF c'est quoi? On appelle ça une location. Et dans C drive, m'a déjà créé un file, get bien, il appelle file.txt. Non, get un coup de C dans C drive, m'a un file qui appelle. Est-ce que tu m'as dit ça? File.txt. Dans C drive, m'a mis. Que tu m'as déjà dit là? Ouais, ça C drive, m'a appelé un file, appelle file.txt. Mais moi, je trouve là. Quand on a besoin de sens POF là, il n'est pas là, non? Non, il n'est pas là. Allez, vous êtes si capable de créer un file là, là, ça me fait là. Ok, dans notre pad, je vais créer des new. Non, il n'est pas prêt pour le temps de créer. Si vous êtes un petit peu fait dans notre pad, je vais créer un file là, je vais garder là. Là, je vais faire file, save as. Je vais mettre la C drive. Écoute-moi C drive. Voilà C drive. Voilà C drive. Dans C drive, je vais créer un file. Après, comment il appelle le file de texte? File.txt. Et nous pouvons mettre txt, non? Je vais mettre ça file. You don't have permission. Bon, je vais pas laisser moi écrire là. Je vais mettre dans le place. Ok, save as. Je vais espérer que laisse moi mettre dans le place. Je vais mettre dans le document. Correct, dans le document, je vais appeler data. Je vais appeler data. Data.txt. Ok, le document, je vais mettre ça là. Hein? Et je vais sauver là-bas. Correct. Maintenant, je vais rentrer dans le document. Voilà. Mon code file là, je vais décider là. Et là, je vais garder la data là. Je trouve que je vais dans le pad, je vais créer là. Bon, on va le vite là. Ah, là, le file là, il est vide. Puis là, on y est. Maintenant, je vais tracer sur location. Je vais right-click mon code file location. Et la file location, je vais right-click. Tu as le properties, tu as le properties et tu gagnes ce file location là. Correct là. Maintenant, moi dans VB, je vous programme. Je vous sens ce file location. Le file là, voilà, je vous sens ce location. Voilà. Le file là, comment on appelle data.txt, non? Data.txt, voilà. Je vous sens ce location. Bon. C'est-à-dire, pour autant, je crée un prof, écoute, je vous save. Dans mon hard disk, on appelle ça PAF. PAF est un string. Allez, nous continuons à get nos notes parce qu'il y en a pour faire ça. Mes élèves suivent. Et line, quand je regarde le string là, ça va aller là. Get les élèves trouver qui dans mon coding, on prend item code, item description, item price, stock. Tout ça là, on fait dans la ligne. Et la ligne là, on appelle ça stock data line. Et le stock data line, on finit créer là. On élimine la ligne, on met tout data. Correct. À cause de ça, on va pouvoir créer sa line. La line là déjà existé. Et là, sa line 3 là, on va le créer, on va déjà créer.
Maintenant, commande important, c'est ça. Ok, commande plus important, mais je ne l'ai pas connu. Il a fini vers l'immobilier open sa file là. Je veux dire, sa commande là, file open, il y a une commande bien puissante. Il y a trois paramètres. Ces files là, je vais donner une reference number, je vais mettre sur path et je peux ouvrir dans mode append. Je peux ouvrir sa file là. En fait, il peut ouvrir sa file qui m'a créé là. Là. VB pour l'ouvrir là. VB pour ouvrir sa file là pour mettre data. La peine à data. Je vais mettre peine à data. Et là, je vais prendre sa code là, VB pour ouvrir là pour mettre data pour servir dans sa file là de hard disk. Mon deuxième commande plus important, c'est la ligne là, je finis de gagner data. Moi, à ce moment-là, je peux servir une commande print. Après, je vais close. Voilà. Ça, là. Voilà, je peux print et je close. Mais c'est moi, je vais mettre line free ici. File number 1, so path, so mode. File number 1, je peux mettre data. Mais qui data je mettre? Ça, data là. Pas line number 3. Je vais créer tout ça, la ligne là. Moi, la ligne appelle ça. Il est là, je close mon file. Et ça, ça, trois la ligne là. Pour permettre moi mettre data dans sa file qui m'a créé là ici et là ça ok allez si j'ai envie de tester lui tu es capable de tester lui et comment pour tester lui et nous capable faire à 10 fois nous capable mais c'est moi malheureusement pour tester lui tu es bizarre rempli arrêt là et tester lui et data là tu pour rentrer data là tu pour rentrer dans sa file là bas correct bon moi je vais tester lui parce que mon besoin finit mettre data dans tout ce arrêt là. Là, bon, là-dedans, ce qu'il veut faire, il veut ouvrir. Voilà, programme-là, ce qu'il veut faire. Je vais faire sa partie-là, je vais suivre. Voilà. Je vais task 2. Je vais prendre stock data de task 1. Je vais store it dans text file. Et each line of the file corresponding one stock item. Je vais dire, voilà, je vais prendre mon stock description, mon stock item code, mon description, mon price, mon. Number stock, je mets tout dans la ligne, je concatine tout. Je appelle ça stock line. Et là, je ne vais pas apporter dans l'écran, je vais apporter pour mon temps. Je vais ouvrir mon file c'est file number 1. Et je mets ce path, path là où je finis d'écrire côté de file là, il était là. Je te rentre dans mes documents là, tu vas trouver mon file là. Et pour remplir, je vais servir là-bas. Et ce prix, tu vois là, je concatine tout ça là. Non, moi là, là, non. Non, pas là. Je concatine tout dans la ligne. Élimine stock line, je vais ouvrir le file là dans append mode, je vais dans le file numéro 1, je prends la ligne là, je vais payer ici là-bas. Et là, je vais close le file là. Et là, je vais faire, je vais mettre ça close là ici. Quand je vais mettre close là, je vais mettre en déo. Encore une erreur, ça va garder moi. Open file là, je vais faire là. Je vais open file là avant loop là. Voilà. Qui ça va garder moi qui fait, je vais faire ça. Bon, enfants, ça loupe là. Il peut prendre la ligne, pas la ligne, il peut écrire. C'est sa commande là qui écrit la file là. Ok? Mais, une seule fois, on vient ouvrir la file là. Avant. Et une seule fois, on vient close. Après. Et dans le loop là, la ligne, pas la ligne, c'est sa commande là qui peut écrire là. Je veux dire, file number 1, mon ouvrir là. Dans append mode. C'est la ligne là, on peut écrire la file là. Dans file numéro 1, on peut écrire la ligne là. La ligne là, on peut joindre tout simplement une description là, on met. Et là, on finit de mettre toute la ligne. Et là, je close file. Question pour moi? Mazele qui veut suivre là, ça? Je peux répondre à sa question là. Dis-moi si je comprends. Comprends, monsieur. Ouais, pour Mazele, le work, quand on parle, il y a un petit peu de difficulté parce qu'il n'y a pas de FM, ça s'appelle qui appelle file là. Mais je peux s'expliquer. Dans file, il y a trois commandes importantes. Ouvrir file, mettre data dans file et close file. Et moi, je montre toi comment. Je crée un file là de Notepad. Si je rends le lit, je peux servir data là ici. Correct? Je vais bien essayer le lit. Je vais faire une vidéo. Je vais presque arriver à la fin de sa classe là. Je vais espérer que mes élèves me suivent. Et là, je vais prendre une autre question. Il y a une question pour moi là? Pose question? Non. Quand on tient, le comprend ça parce que le fini faire file là. Johnny est capable de tasser un petit peu de file parce que la première fois qu'il trouve ça. Là. Ok? Johnny, tu es la même? Oui, tu pensais, tu peux avoir un peu manger tout ça là pour moi. Tu manges tout seul là-bas là. Allez. À une badinée. Maintenant, le define a format in which each line of text can be stored, can store a different piece of data about one stock item. Bon,
comment est-ce possible? Il y a un problème là. Il y a une confusion. Parce qu'il est concatiné, il est mettre tout ça dans la danse là. Il est là, collé. Comment vous décollez? Bon, façon vous décollez, moi je pense que si vous avez un astérix au milieu, sac, piece of information. Sac, piece of information, le est concatiné, tu mets un astérix. C'est même ça, astérix, ça vous sépare. Ça va en détail là. Voilà, on met un astérix soit un wildcard. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'il m'a de faire. On va mettre un astérix. Astérix là maintenant, tu vas dire inverted comment. Je veux dire, on va séparer chaque piece of information par un astérix. Ou si ça même, on va dire mon cas, il y a ça. Ça l'idée, trouve astérix là pour découper ça dans l'information là. Voilà, ça c'est moi mon idée. Je te donne une autre idée. Voilà, nous réglons cette question là qui vient de dire. Il y a toi comme ça. Define a format. Demain format in which each line, sac la ligne de texte, can store the different pieces of data about one stock item. Ok, là, ici là-haut, tu mets open now and store in a text file. Each line corresponding one stock. Là, nous pouvons donner un format. Commencez par ce. Consider whether there is a requirement for data conversion. Bon, si on a data conversion, capable pour une, parce qu'il avait une string pour faire une integer, etc. Maintenant, design an algorithm to input four pieces of data about the stock item. Describe an algorithm to input the four pieces of data about each stock item. Form a string corresponding to the format design and write the string to the text. Ça c'est mon fait faire. Draw flowchart et pseudocode, j'ai besoin de moi. Program code to be implemented, j'ai besoin de moi. Maintenant, consider different modes of opening the file. Ah. Ça, je peux expliquer à mes élèves. Mes élèves, papa connaît et le web, papa connaît. Il y a trois modes pour ouvrir un file. Il y a la file open. Il y a sa commande là. Ça, mode, je ouvre pour append. Append qui veut dire ajouter, continuer à ajouter et pas delete dans l'ancien d'état. On appelle ça append. Et dans l'autre mode, on appelle ça output. Il y a la même commande, file. Open, il y a trois paramètres, un paramètre sur file number, sur pof, et là output. Là, nous faisons output qui diffère, nous capables de mettre des data là-dedans, nous output des data là, nous avoir des data là dans le file là, output veut dire send the data to the file, save the data in the file. Nous pouvons save data là dans le file là par commande print line, mais il faut override, tout bon ancien data dans le file là pour override. Quelle différence il y a là, à peine avec output? Output si vous pouvez mettre la file là. À peine si vous pouvez mettre la file là. Mais output si il y a des détails, il peut efface tout bon ancien détail, il peut mettre nouveau détail là. À peine il peut mettre détail de file là, mais il ne peut pas tirer aucun détail qui tient avant là. Il continue à ajouter en bas y aller. Mais il y a tous les deux. Output, file open, output mode, mettre détail, de à peine mode, mettre détail, mais à peine mode, il peut continuer à ajouter sans delete. Et output, the override ban previous data. Dernier mode, nous avons input. Input veut dire tier data de la file. Il peut read ban data, il peut output dans l'écran. Ok, voilà. Il y a trois modes. Input veut dire read data from the file. Output veut dire write data to the file. Overwriting, append veut dire write data to the file without deleting the previous data. Maintenant, nous venons dans nos questions d'examen. Voilà. Consider different modes of opening the file. Discuss the difference between creating a file and amending its content. Extend the program. Ouais, tu as déjà fait un menu. Bon, ça qui est intéressant. Comment tu fais un menu? Il est là pour faire tout simplement option qui est là. Option N, add new stock, search, output list. Bon, ça c'est un petit devoir que je vous donne. Mais get là, je vous donne une petite explication là. Et dans ce programme là, moi aussi, je fais un menu. Je call display menu. J'espère que mes élèves peuvent suivre. Display menu, c'est un sub-programme. Et il y a l'appel ça sub-programme là, qui est display menu. Là. Et tout le monde a une option là-dedans. Enter data in the file, read data from the file, append data in the file, search data, delete data. Ça, je m'appelle ça dans mon main programme. Il y a un sub-programme, je m'appelle dans mon main programme. Correct? Et il y a appelé dans mon main programme, les calls display menu, display apparaît. Et là, tout le monde a une option qui apparaît. Il peut enter ce choice. Et il y a du monde là, ce choice, le one, il peut
faire tout ce qu'on a. Les 2 pour faire ça, les 3 pour appendre, les 4 pour search, et 5 pour delete. Nous faisons select case pour ça. Je vais dire sa deuxième partie là, moi déjà fini faire moi. On peut expect mon élève de task 2.4, il fait un menu et il fait 4 options là. C'est 4 options là. Ok? Il est là, testing c'est une autre histoire, test plan c'est une autre histoire. Maintenant, ça, si je ne comprends pas, pose-moi une question pour réexpliquer. Voilà. Tu as besoin de créer un menu, tu as le main. Tu as le sous-programme qui s'appelle display menu. Et display menu, il y a un sous-programme, tu mets toutes les options là-dedans. Correct? Enter data, read data, append data, search, delete, etc. Enter your choice. Le living domain là, choice là, gain valeur. Si la case, si il choisit un, il fait ça. 2, il fait ça. 3, il fait ça. 4, il fait ça. 5, il fait ça. Correct? Et ça, il va répéter plusieurs fois, etc. Bon, on arrive à la fin de vos classes. Si quelqu'un a une question, il dit à moi. Ok? Voilà. Okay. Correct là? Je ne gagne pas de devoir là. Je viens envoyer moi un devoir pour me connaître quand je suis arrivé. Et si je te l'ai prochaine classe, je fais une classe là, file même. Je vais faire suivre file. Ça, c'est un pré-release. Je vais pouvoir le composer. Et moi, j'ai encore une classe pour faire. Nous avons que nous gagnons l'occasion. Et ça, l'autre classe là, moi, tu peux expliquer une autre affaire dans ce papier là. C'est string manipulation, regarde là. String manipulation, qui veut dire mid, qui veut dire length, qui veut dire left, qui veut dire right, qui veut dire int, qui veut dire num to string, etc. Et ben, opérateur, moi, tu peux expliquer un petit peu dans la prochaine classe. Moi, j'espère que mes enfants suivent mon classe. Là, moi, arrête mon vidéo recording pour vous mettre ça dans.